Allez, de retour pour une nouvelle parodie sur la radio Havresse, toujours en compagnie de moi, Romanus, pour vous servir en 2010, ça n'a pas changé. Alors, une parodie dédicacée aux hommes et aux femmes politiques, appelez les politiciens. Et c'est vrai qu'avec des paroles vraies et sincères, on peut faire une parodie, pourtant très très drôle, parce qu'ils sont tellement faciles à parodier en ce moment que forcément on se lâche, on se fait plaisir, et c'est pour vous, c'est cadeau. Je ne sais pas si c'est très bien pour la France, mais ils font tout le temps que des conneries. Ils doivent avoir ça dans le sang, car ils ne peuvent s'en empêcher. Bah ouais, y a-t-il quelqu'un pour leur dire d'arrêter? Je pense que ce serait mieux comme ça, si ils pouvaient tout changer et faire un effort. Parce que là vraiment, ce sont des gros mythos, ils ont pas de cerveau, ils sont pas beaux. Leur nom, les politiciens, ils font que mentir, c'est bien trop facile car on les croit. Leur nom, les politiciens. Je m'inquiète pour l'avenir de la France. Ça fait des années qu'elle est mal gouvernée. Je ne supporte plus de la voir comme ça. Car que va-t-on devenir si personne ne fait rien? Bah ouais. Je préférerais encore me battre que de quitter mon pays où j'ai grandi. Je suis pas le seul à penser ça. Alors tout le monde, criez avec moi. Ce sont des gros mythos. Ils ont pas de cerveau. Ils sont pas beaux. Leur nom, les politiciens. Ils font que mentir. C'est bien trop facile car on les croyait. Mais ça suffit comme ça. Ce sont des gros mythos, ils ont pas de cerveau, ils sont pas beaux. Leur nom, les politiciens, ils font que mentir, c'est bien trop facile car on les croyait, mais maintenant c'est fini. Alors voilà, c'était une nouvelle parodie dédicacée à tous les politiciens. Eh bien écoutez, maintenant il y a deux liens, tout d'abord le blog, la-radio-avraise.skyblog.com et maintenant le Facebook officiel avec la-radio-espace-avraise. On vous attend nombreux et nombreuses. Allez, à tout de suite.